L'aventure Koh Lanta aura changé la vie de Yesta Hillman de bien des manières. Si Yesti sur le tournage de l'émission de survie que la finaliste a rencontré son partenaire idéal, en la personne de Benoît Assadi. Rapidement, les deux candidats s'étaient rendus inséparables, jusqu'à concrétiser leur relation par un mariage et les naissances de deux enfants. En effet, ensemble, ils ont accueilli de façon rapprochée Juliane, 3 ans, et Adriane, bientôt 2 ans. Un rêve pour Yesta Hillman qui toujours voulu être maman. D'ailleurs, ses accouchements ont à chaque fois été un véritable bonheur comme elle l'a confié dans le podcast The Parent Show. J'ai adoré accoucher, parce que je trouve qu'en tant que femme, si est-il le sentiment le plus fort qu'on puisse sentir dans sa vie, le moment où on donne la vie. Si est-il le moment où je me suis sentie la plus fière, la plus utile, a-t-elle déclaré. Je ne m'en sentirais plus capable si donner naissance s'est révélé extraordinaire donc, Yesta Hillman n'a en revanche pas toujours apprécié d'autres aspects de la maternité. À tel point qu'elle n'est pas certaine de vouloir agrandir sa famille. Si c'était juste l'accouchement, je ne ferais 10. Mais la grossesse et les 6 premiers mois, non, a-t-elle reconnu, avouant ne pas être fan du moment bébé-bébé. Je préfère jouer, interagir, apprendre à l'enfant. Les 6 premiers mois sont très durs émotionnellement, niveau charge mentale, niveau organisation, les nuits. Tout ça, je ne m'en sentirais plus capable, je pense honnêtement, de le revivre. La jeune femme de 30 ans s'est même fait la promesse de ne pas craquer. Évidemment, il me reste des années pour pouvoir faire un troisième enfant. Évidemment que si est-il tellement la plus belle chose au monde, si est-il tellement le plus fort sentiment que tu peux ressentir dans ta vie. L'amour que tu as pour ton enfant, bien sûr que ça va me redonner envie mais je sens que je n'aurai plus la même patience, je ne pourrai plus revivre tout ça. Il faut une patience incroyable et si est-il très dur, a-t-elle admis, ajoutant vouloir être un peu plus égoïste.